Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un gros all nose. Il fallait que j'y retourne pour prendre trois bricoles et arriver là, je suis ressortie avec plein de trucs. Donc j'ai fait pas mal d'affaires, même si j'y étais allée pour... Je voulais simple des assiettes en carton pour Noël avec des Pères Noël dessus. J'avais vu ça la dernière fois, arrivé là, il n'y avait plus. Enfin, il n'y en avait plus, il n'y en avait pas. Le magasin était relativement vide, surtout au niveau des produits de beauté. Je cherche la marque Ice, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une marque de luxe apparemment. Il y avait deux produits. Il y avait une crème, un gommage pour le corps au sucre. Le truc, il avait été ouvert, il était à moitié vidé dans le bac. Et il y en avait une autre, c'était une crème pour les rides, 15 euros. Je trouvais ça quand même vachement cher. Je sais pas de combien est le prix initial, mais j'ai pas pris. Donc je vous présente tout de suite ce que j'ai pris. Nose. J'y suis allée avec numéro 1. Je pense que j'y retournerai là avant Noël. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous poster le haul. Mais voilà. La plupart des prix que je vais vous montrer ne sont pas les vrais prix. En sortant, je me suis aperçue qu'il y a certains produits qui passaient moins cher. Donc je vous mettrai le prix corrigé en dessous. On a pris ça pour numéro 2 qui est un fan de Scooby-Doo et qui est un fan de Catch. Donc 2,49€. Donc ça, je pense qu'il est passé à 99 centimes. Donc c'est WrestleMania, la folie du Catch. Donc là, petit DVD. J'ai pas l'habitude de prendre des DVD. Nous, on fonctionne par clé USB. Donc, voilà. Une petite cartoune de vœux, 75 centimes, que j'ai trouvé très sympatoche. Ensuite, des nouilles chinoises, pas bonnes. On m'a dit lors de mon dernier haul que c'était chimique. Oui, c'est chimique, hein. C'est tout, hein. Mais on n'en mange pas tant que ça. Hein. Moi, j'en mange que quand je vais à Noz, donc ça doit être, je fais moi, deux fois par mois et encore. Donc, on les a payés 60 centimes. Je ne sais pas où c'est. Saveur yakisoba. Je ne sais pas. Une petite soupe Knorr, soupe savoyarde, 89 centimes, fromage fondu et lardon. Alors, j'ai pas d'ordre précis, je vais prendre n'importe comment. Là, j'ai trouvé, je connais pas du tout, Body Respect. Donc c'est un lait démaquillant, douceur et pureté, sans parabène, 1,50€. Donc il y avait le lait démaquillant, je sais plus ce qu'il y avait, une micellaire je crois, je ne sais plus. Donc Body Respect est né de l'envie de rendre accessible à tous des cosmétiques respectueux des consommateurs et de notre environnement. Donc je ne sais pas du tout ce que ça sent dans le sens où... Ah si, ça sent. Ben ouais. J'ai pas osé dans le magasin l'ouvrir, mais non, même pas, ça souffle pas. Donc ce sera la surprise quand je vais me démaquiller avec. Celui-là, je vais... Hop. On va essayer de pomper. Hop. Bon alors, je vous mens pas. De retour, c'est bon, je me suis essuyé les doigts. Je vais pas vous mentir, j'aime pas l'odeur. C'est une odeur d'herbe. D'herbe fraîche, le gazon quoi. Donc... Bon, 1,50€, hein. Non, je suis pas fan du tout de l'odeur. Moi, j'aime bien les trucs quand ils sentent bon. Quand ils sentent pas bon, même s'il est bio, il est bio, hein. Même s'il est bio, machin. On verra ce qu'on en fera. Alors, ça, c'est une connerie que mon fils a pris. Donc, c'est un espèce de petit stylo. 50 centimes, j'arrive même pas à l'ouvrir. Enfin, voilà, ça se présente comme ça. Hop, il clique dessus. À chaque fois qu'il vient, il aime bien venir. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, il fait des affaires. Un petit déombo. 1,20€. Pareil pour lui, je n'ai même pas vu ce que ça sentait. Puis lui non plus d'ailleurs, vu qu'il y a le prix collé dessus. Parce que le dernier déo que j'ai pris à Noz pour mon mari, une infection. Laisse tomber, il m'a regardé, il a rigolé. Ça va, ça sent le garçon. Ensuite, j'ai trouvé ça pour moi. Je fais tout moi-même. Alors c'est la collection C'est Malin grand format, donc ménage, beauté cuisine, 150 conseils et recettes. Donc le prix indicatif est de 15€. J'ai une réduction de 12€, donc il m'est revenu à 3€. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Allez, je vous montre un petit peu. Produit d'entretien maison. Ouais, je sais pas, je vais regarder la buanderie. On chouchoute les vêtements, la lingerie, je sais pas, hop, si vous voyez. Ouais, j'ai trouvé sympa, on va regarder. Au jardin, même quand on n'en a pas. Alors, hop. Donc, on va bouquiner. Dans le même esprit, j'ai pris pour numéro 2. Coloriage de Noël, donc 99 centimes. Donc ça, moi, j'utiliserai pas parce que c'est le fameux papier. La lumière est partie. J'espère que ça va aller pour filmer. C'est le papier un peu papier, quoi. C'est pas vraiment le papier à dessin. Là, si vous coloriez là-dessus, avec des feutres, c'est limite, ça fait des trous.
Donc, très très bien, c'est le temps que je lui promets un livre de coloriage. Oh, c'est chiant, le soleil est parti. J'espère que ça va aller quand même. Oui, j'ai mis mon petit sapin. Est-ce que je vais arriver à allumer? Je vais peut-être allumer mon petit sapin. Ouh, il fait de la lumière, mon petit sapin. Alors, ça, c'est le truc qui a été décoré par les gosses il y a quelques années. Ça, c'est une étoile que c'est mon grand qui l'a fait, celle-là. Voilà, à l'école, avec des petits jouets en bois, un petit clou-clown. Et je déteste les clowns. Et puis ça, on l'a franchement depuis des années, quoi. Donc je me suis dit, hop, qu'on allait mettre le petit sapin comme ça. Et un petit bonhomme de neige. Donc celui-là, je crois que je l'ai eu Action. Mais il y a un moment. Voilà. Donc on l'allume et ça fait plein de jolies couleurs. Je crois que c'est Miami Makeup qui a le même sur ses photos. Bisous, ma chérie. Donc voilà, nous allons mettre le bonhomme clignotant à l'arrière. On reprend. J'ai trouvé ça. Alors Baby mange bio, Baby mange la bouffe que je lui fais, la bouffe que mamie lui fait, mais de temps en temps, parce que nous quand on lui fait à manger, on lui fait des grosses gamelles, donc de temps en temps pour changer, et c'est la première fois que je vois Noz, donc la date elle est quand même au 1er janvier, donc il va falloir qu'on se dépêche de le manger, 99 centimes, Nature Ness, purée ou de légumes pourris, donc ça c'est le truc, vous allez en grande surface, c'est minimum 3 euros. Donc bonne affaire. Deux petits vernis, j'ai trouvé un Sinful Color. Vacation time, donc le temps des vacances, c'est 264,85 centimes, donc sur une espèce de rose, de bois de santal, moi je dirais. Je sais pas si on va voir, ça me déprime, mais si je tourne la caméra un peu plus par là. Ouais, non, mais on va plus mettre des déco de Noël derrière, donc voilà, on va continuer. Donc un petit bois de santal, et pareil, alors celui-là 50 centimes par contre, c'est la marque Cliché, donc j'avais pris, et là j'ai rien sur maison, hein. Je vais devoir refaire mon traitement à Nakaps parce que là elles partent. Je ne sais pas si vous voyez, en total sucette. Donc là, ce qui est bien avec ces vernis-là, je m'en suis aperçue après, c'est qu'il n'y a pas de DBP, ni de toluène, ni de formaldéhyde. Et ils sont fabriqués au Portugal. Donc ça, c'est un espèce de gris bleu. Très sympa pour le prix. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ceci, donc un notebook 35 centimes. Ça, je l'ai trouvé très 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 sympa. Et plaquette de chocolat, 69 centimes, c'est des crisps. On aime bien le chocolat. J'ai pris la même, coconut. Allez, Noël de coco. Ça va être pour moi parce qu'il n'y en a aucun à la maison qui aime le chocolat. Désolée pour ma tête. Hein. Je rentre à l'instant, juste avant. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps, donc du coup, voilà, pas coiffée. 69 centimes. Ensuite, mon grand s'est pris ça. Coffret DVD avec des films dedans qu'il connaît, hein, c'est des films de sa génération, moi ça me dépasse, hein, c'est des trucs avec écrit Apocalypse, Pantera, le futur de l'humanité, donc on a eu ça à 4,99. C'est un ado, il adore tout ce qui est trucs un peu fantastiques et qui font peur. Des chaussettes pour mes patounes, parce qu'il fait froid, j'ai des cheveux partout, donc 1,95€, 3 paires. Hein. Donc là, très bien. Du ketchup. Ketchup, le sueur. 1,09€. J'ai même pas vu la date. Ah, 5 2017. Donc ça va, ça le fait. Un petit adoucissant. 1,15€. Alors, je crois que j'ai dû prendre une fois un adoucissant chez Noz qui sentait pas très bon. Et celui-là, en fait, j'ai vu écrit améthyste et violette. Donc je me suis dit, ça ne peut sentir que bon vu que je suis une fan de violette. Ça sent bon? Mais maintenant, on va vous dire que si ça sent la violette, je sais pas trop. Donc, 1,15€, l'adoucissant. Skittles. Si je le mets de l'autre côté, ça ira mieux. 0,59€. On aime bien les Skittles. Petite carte. J'aime bien parce que c'est écrit With love for a wonderful nana. Avec tout mon amour pour une super nana. Donc, 75 centimes. J'étais curieuse parce que je me demande combien il y en a dedans en fait. Donc, il y en a une, deux. Et il y en a trois en fait. Et franchement, Wishing you a very happy Christmas. Voilà. Donc ça, c'est la petite carte que recevra la nana qui va gagner mon concours. Une petite carte comme ça que je vais envoyer. Que j'ai trouvée, ouais, pour le prix. Là, vous voyez, c'est écrit 1,79€. J'ai trouvé très 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 jolie, franchement. Des petites moufles pour Baby. 50 centimes. Alors moi, Baby, ça fait rire tout le monde parce que là, j'ai l'habitude de lui mettre des chaussettes sur les mains. Parce que c'est plus pratique et puis parce que, voilà, quoi, que c'est les choses. Du moins, le principal c'est qu'il ait les mains au chaud, donc j'ai trouvé des petites moufles 50 centimes. Alors quand il les a vues, sa première réaction ça a été de hurler et de les jeter. Donc je ne sais pas trop, on va voir comment on fait.
Ensuite, j'ai pris une huile de soin à l'huile de monoï de Tahiti pour peau et cheveux. Alors, je n'ai pas pu. Ah putain, c'est pas possible. J'ai pas pu non plus la sentir. Ça sent le monoï. Excellente affaire, 2,20€. Donc, ça, je pense que j'en mettrai sur les cheveux. Bon, je me retrouve avec la main toute grasse, mais c'est pas grave. Dans les cheveux, sur le corps. Excellente affaire. C'est la première fois que je vois de l'huile de monoï de Tahiti. Très contente. Donc, c'est de la marque très phare. Je connais pas. Des petits. Je sais pas comment ça s'appelle. Des petits trucs autocollants pour coller sur mes cartons en forme de Père Noël. 75 centimes, mais ça, c'était moins 80%. Donc, j'ai dû payer ça une misère, quoi. Vraiment, il y en avait plein d'autres. Il y avait ça, il y avait des sapins de Noël, des cadeaux, je crois. Mais bon, ceux-là, je les ai trouvés jolis. Un pchit-pchit à 75 centimes. Donc, ça, c'est pour moi mettre de l'eau dedans et pour pchiter sur mes cheveux le matin pour la remettre en place. Parce que j'ai toujours des herbiquettes un petit peu partout. Donc, ça, très très bien. C'est quasi fini. J'ai pris une petite paire comme ça de boucles d'oreilles que j'ai trouvé très jolie avec une attache comme ça, donc je les ai payés 99 centimes pour mettre dans mon concours. J'ai pas reçu mes trucs AliExpress, donc je palie avec autre chose. Et ceux-là, moi je vais les garder pour moi parce que je les trouve trop chou. Donc c'est pareil, 99 centimes. Alors j'y suis retournée avec espoir de retrouver les bijoux réserve naturelle, mais il n'y avait plus rien du tout. Donc ça, deux petites paires de boucles d'oreilles de la marque, c'est pareil. Le gamin a pris, donc c'est déjà ouvert, donc c'est des princes avec écrit Príncipe Português en portugais, donc 1,27€. Oh, c'est carrément cher pour ce que c'est, hein. Surtout que ça se présente une, je sais pas, moi il y en a 6, c'est même pas emballé individuellement, il n'y a rien du tout. C'est cher, mais vous avez la dalle, il y en a deux qui a la dalle, c'est dangereux. C'est moi qui le dis. Ensuite, dans sa lancée, il a pris des Vico Crazy Crack au barbecue. 85 centimes pour goûter, pareil, jamais vu ce truc-là. On va voir ce que ça donne. Sauf si j'ai pas le temps d'en choper un vu qu'ils auront tout mangé. Et enfin, dernier produit, un petit parfum pour homme, lingot, vaporisateur naturel, spray eau de toilette. Alors ça, c'est simple, c'est pour mon numéro 2. Mon numéro 2 qui me dit, oh maman, ça coule partout. Papa, il a du parfum. Siam, il a du parfum. Moi aussi, je veux mon parfum. Donc, il y avait le testeur là-bas. Je l'ai senti. Ça sent très, très bon. Et comme il a 8 ans et qu'il trouve que les parfums Spider-Man, c'est pour les bébés, du coup, je lui ai trouvé son parfum pour lui. Donc, lingot pour homme. Et j'ai payé ça. Donc, ils disent que c'est à base. Bon, c'est marrant parce qu'ils expliquent les notes. Donc, c'est la pyramide olfactive. Donc, la note de fond, c'est l'ambre et le patchouli. La note de cœur, la rose et la cannelle. Et la note haute, donc ils appellent ça la salide, donc c'est la sortie. La menthe mandarine et le pamplemousse. C'est bien expliqué, non? C'est la première fois que je vois ça sur une bouteille de parfum. Et donc celui-là, je l'ai payé 2,99€. Donc j'ai fait, vous voyez, pas mal de petites affaires. J'espère y retourner avant les fêtes. Pour choper plein de petits trucs. Décidément, Noz, moi j'aime Noz. Hein. Action, j'ai pas envie d'y retourner tout de suite parce que c'est toujours la même chose. Et que la dernière fois que j'y suis allée, moi je cherchais le make-up que j'ai vu sur la chaîne de Kelly. Et que je n'ai pas trouvé, il n'y en a pas dans mon Action. Donc voilà. Donc je vais pense retourner à Noz et je retournerai à Action quand il y aura les soldes quoi, pour voir ce qu'ils ont un petit peu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous lance la vidéo concours normalement là dans pas longtemps. J'espère que ça vous fera plaisir. Merci d'être nombreux sur ma chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés. Que vous dire de plus? Je sais pas. Vive, 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 vive! Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!